C'est bon. Chers Africains, chères Africaines, chers amis de l'Afrique, le 22 décembre, nous serons tous en gilet rouge. Le gilet rouge est notre symbole pour identifier le sang, les millions de kilos, de litres, pardon, de sang qui coule en Afrique. Nous serons tous à l'égard des gilets jaunes ici, qui font le soulèvement populaire national français. Nous ferons également avec eux ce soulèvement populaire africain, parce qu'il faut être tous ensemble. Les Français se sont levés, les Français sans étiquette, les Français sans couleur, se sont levés pour reprendre leurs droits humains. Les Africains sans couleur, les Africains sans drapeau, se lèveront aussi pour reprendre leurs droits humains. Alors ensemble, le 22 décembre, nous partirons de la porte de Clignancourt jusqu'à République, pour que nous puissions enfin, ensemble, reprendre ces droits fondamentaux, ces droits qui ont été écrits mais qui n'ont jamais été respectés, qui sont chaque jour bafoués, aussi bien ici en France, qu'encore pire en Afrique, où des millions et des millions d'hommes et de femmes et d'enfants meurent par la famine, par les massacres, par les guerres, par la dictature et par l'emprise des multinationales. Le capitalisme aujourd'hui nous regroupe, aussi bien la France, l'Allemagne, que nous les Africains, nous les panafricains. Ce capitalisme qui tue l'être humain sans regarder quelle est sa couleur. Alors aujourd'hui, tous en gilet, rouge pour l'Afrique, jaune pour la France, nous serons le 22 décembre, départ port de Clignancourt. Ingeta. Ingeta. Chers Africains, chers frères, chères sœurs, chers parents, l'Afrique se meurt, l'Afrique ne fête pas. Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas les moyens, mais c'est que parce que l'Afrique subit. Ce qui se dit dans la masse, c'est qu'arrivés ici, nous perdons toute dignité. Nous oublions ceux qui souffrent. Nous oublions même d'où nous venons, sans savoir là où le lendemain nous amène. C'est pour cela que nous avons décidé, en votre nom, nous savons compter sur vous, que le 22 décembre, le samedi, ensemble nous serons dans les rues de Port de Clignancourt à 13h, jusqu'à aboutir à République. Et s'il faut, nous continuerons pour aller à Bastille, pour réclamer, tonner haut et fort, tout ce que les nôtres subissent, tout ce que indirectement ou directement nous subissons. Frère, rejoins le mouvement où que tu sois. Merci. Ingeta. Ingeta. Chers Africains, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année. Il y a des enfants en Afrique qui passeront pas la fête. Il y a des parents qui n'ont même pas l'idée qu'il y a une fête. Vous connaissez les conditions de l'Afrique. Ici, toute l'Afrique est réunie. Toute l'Afrique est là. Venez tous le 22. Le 22 à Paris, tout le monde, pour la fin de l'année. Ne passez pas cette fête de fin d'année. Venez d'abord le 22 manifester. Soutenez ce mouvement panafricain. Je vous appelle tous, l'Afrique se meurt, pas de fête. Voilà le mot. Tout le monde en gilet rouge, passez le message. Tout le monde en gilet rouge. Le gilet rouge, vous a expliqué, c'est le sang qui a coulé. Donc on ne peut pas terminer l'année sans rendre hommage, sans penser à ces victimes-là. Donc tous ensemble, je répète, le 22, entre Porte Clignancourt à République, départ midi, avec son gilet rouge, on démarre. Ingeta. 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 Peuple africain, il y a une seule date, un seul rendez-vous, c'est les 22 décembre, dans les samedis 22 décembre 2018. Nous serons tous à la porte des Clignancourt. Là, nous allons marcher. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Soyons tous présents. Ingeta. Ingeta. Chers Africains, chères Africaines, la revendication des gilets jaunes en France nous offre enfin l'opportunité de leur faire comprendre les souffrances, les drames, les meurtres, les crimes qui sont perpétrés en Afrique sans que personne ne dise jamais quoi que ce soit, sans que le français lambda, le français moyen ne sache exactement ce qui s'y passe. Donnons-leur la possibilité maintenant de savoir ce qui s'y passe, de savoir qu'à chaque fois qu'ils mettent un litre d'essence dans leur voiture, c'est le sang d'un Africain qui coule, c'est le sang de nos pères, de nos mères, de nos enfants qui coule,
Et nous, nous nous inscrivons dans la durée. Et le mouvement des gilets rouges s'inscrit dans la durée. Nous prenons, nous retrouvons les gilets jaunes pour leur faire savoir que nous sommes dans le même combat. Mais leur combat vient bien après le nôtre. Nous, nous le vivions en silence. Maintenant, nous allons leur faire comprendre que nous ne serons plus silencieux. Chaque litre d'essence qu'ils mettent dans leur voiture à Paris, à Grenoble, à Bordeaux, c'est le sang d'un Africain qui meurt. C'est le sang d'une Africaine qui meurt. C'est le sang d'un enfant africain qui meurt en couche. Venez nombreux, c'est la première manifestation. Nous en ferons d'autres. C'est la première fois que les Africains veulent sensibiliser le français moyen, la française moyenne, la ménagère de 50 ans sur les problèmes africains pour qu'ils ne disent plus jamais qu'ils ne savaient pas. Venez nombreux. Merci. Ingeta. 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 Amis de l'Afrique, une seule date, le 22 décembre, venez avec nous. Soyons nombreux, soyons nombreuses. Il n'y a pas de fête en Afrique, de toute façon, parce que l'Afrique souffre. Donc, le 22 décembre, rejoignez-nous. Ingeta. Ingeta. Bonsoir à tous. Je vais faire quelque chose juste pour montrer, c'est symbolique. En Afrique, les femmes pleurent leurs enfants. En Afrique, les femmes enterrent leurs bébés. Elles sont violées. Leurs droits sont bafoués. Et aujourd'hui, nous disons, plus jamais ça. Si nous nous taisons, je voudrais que les Amazones s'asseyent. Si nous nous taisons, nous devenons complices des crimes qui se passent en Afrique. Vous savez, depuis que j'ai commencé à parler, en RDC, une femme vient de se faire violer. Mon Dieu! Nos enfants de 6 ans travaillent dans des mines de coltan. Les beaux téléphones que vous avez, c'est le sang de nos enfants. Africains, africaines, réveillez-vous. Jusqu'à quand vous allez oublier vos sœurs? Vos mères qui meurent en Afrique, jusqu'à quand? Femme africaine, réveille. Réveille-toi, s'il te plaît. Souviens-toi de ce que tu as laissé derrière toi. Regarde ce qui se passe actuellement dans le Nord Cameroun. Dans le Sud-Ouest, si je ne me trompe pas. Nous avons nos sœurs qui vivent en forêt, qui survivent. Nous avons nos sœurs qui se font exécuter avec leur bébé dans le dos. C'est criminel, c'est abominable. On ne peut plus accepter ça. Femme africaine, réveille-toi. L'heure est grave. S'il te plaît, pense pour une fois à ton prochain. Tu es peut-être heureuse ici. Tu as tout ce qu'il faut. Tu manges bien. Tu gardes bien tes enfants. Tes enfants ont tout ce qu'il faut. Mais en Afrique, il y a nos sœurs qui font manger leurs enfants en turnover. Au Gabon, ça existe. Au Congo, Brazza, il y en a qui n'ont jamais retrouvé leurs enfants dans le pool. S'il te plaît, lève-toi, réveille-toi. Ça, c'est de l'enfumage. Oui, c'est de l'enfumage, c'est de l'embrouillement. C'est un manque total de connaissance. Ce peuple-là, du jour au lendemain, ne cesse de prouver qu'il ne va pas se lever, qu'il ne va pas comprendre, qu'il n'avancera pas dans le bien, bien sûr, et ne va pas accepter, ne va pas entendre, ne va pas marcher du côté de leur créateur. Ce peuple-là le prouve du jour au lendemain. Quand je vois mes frères qui expriment ces intentions, cette colère, qui annoncent cet appel-là, bien sûr, cet appel de reconquérir ses droits, de retrouver ses libertés, de marcher contre
l'impérialisme, contre le capitalisme, contre les chaînes. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous allez marcher avec qui? Est-ce que Mfumu Congo sera avec vous? Est-ce que le créateur Yah sera au milieu de vous? Ou vous allez marcher avec vos soi-disant, entre guillemets, Jésus blanc, votre créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu? Ou vous allez marcher avec vos fétiches, malheureusement qui ne produisent rien du tout, sauf ce qui est... Malheureusement qui ne produisent rien du tout. Ou vous allez marcher avec l'occultisme. Vous allez marcher pour vous libérer avec quoi? Vous auriez l'armement nucléaire au sein de vous? Qu'est-ce que vous auriez? Sur quoi vous comptez? Ou seulement des cris, des chants, la danse? Vous avancez, la journée finie, ah oui, on a fait une marche. C'est ça? C'est de l'enfumage. Je vous en prie. C'est dommage, chers frères et sœurs. Vous savez, cette affaire-là, je ne sais même pas, ça me finit de la force. Je n'arrive pas à comprendre ce peuple-là réellement. Il est dit qu'ils se sont réunis. Là, c'est dans Psaume 74. Ils se sont réunis, ils ont prémédité, ils ont pensé, ils se sont concertés, ils se sont entendus de briser la maison du Père, de mettre leurs signes dans la maison du Père, d'enlever les signes du Père, de les jeter, de les brûler. Ils se sont entendus de traiter le peuple, les enfants du Père, avec violence. De mettre sa maison à feu et à sang. Ils se sont entendus. C'est dans Psaume 74. Il y a toujours eu des concertations sur l'Afrique. On l'endette, on l'appauvrit. Et en dernier, il y a à peine 5 jours... C'était le 10 décembre, si je me souviens bien. Le 10 décembre 2018, il y a eu un pacte. Un pacte qu'on a signé. Et cette fois-ci, au nom soi-disant de la transparence, au nom de la démocratie soi-disant, on a associé les pays africains. Les Noirs eux-mêmes sont partis signer. À Berlin, ils étaient écartés. Il n'y avait pas un Noir. Cette fois-ci, on dit non, nous sommes en démocratie. En démocratie, pendant ce temps, la France brûle avec les gilets jaunes, il n'y a pas de solution démocratique. En démocratie, pendant ce temps, l'Europe vote contre je ne sais pas quel traité, contre quel je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de solution démocratique, mais la dictature, on impose, on annule le vote. En démocratie, pendant ce temps, on entend que quelque part là-bas, Bush a triché les élections pour être président des États-Unis. On entend là-bas que on doit imposer une guerre en Irak ou je ne sais pas, en Afghanistan, parce que. En démocratie, la violence en démocratie. En démocratie, on laisse les dictatures en Afrique s'installer. Briser les populations. Mais on est en démocratie. Et comme il y a la transparence, on invite les pays démocratiquement, tranquillement, librement, bien sûr, les pays africains, associés au reste du monde, ils viennent et ils signent le traité. Le traité de Marrakech. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont prudents, pas prudents comme prudents, en fait, les rusés,
Et pourtant, c'est eux qui ont écrit ce texte-là. Ils l'ont approuvé en 2017 à l'ONU. Ils l'ont approuvé, ils l'ont accepté. Ils ont trouvé que c'était bon pour l'Afrique, pour l'humanité. Parce que eux, ils parlent en termes d'humanité. Mais ils regardent, ils savent que ça ne va pas se passer en Pologne, ça ne va pas se passer au Royaume-Uni, mais on va briser en Afrique. Ils savent. Ils ont pris ce texte-là. Ils l'ont voté à l'unanimité. 193 pays l'avaient approuvé. Et maintenant, quand on l'emmène sur table, puisqu'ils ont commencé à signer, il y a eu des pays qui se sont gardés en réserve. Des pays comme les États-Unis, ils se sont essayés d'abord de se retirer. Mais c'est des faits semblants. Des pays comme le petit État d'Israël, les pays comme la Hongrie, si je ne me trompe pas, l'Autriche, la République tchèque, c'est des pays qui se sont préservés un tout petit peu. Mais ce n'est que un fait semblant. Ce n'est qu'un fait semblant parce que nous savons qu'ils finiront par s'y mettre. Nous savons que la France a signé sans problème. Mais nous ne sommes pas là. Qui a signé, qui n'a pas signé? Nous, c'est d'abord l'idéal, le geste, le symbole. Pour vous prouver que vous, vous n'êtes rien. On va vous ravir et la terre et le peuple. D'abord, le peuple, nous allons le détruire. La terre sera notre propriété. Ils viennent signer ce pacte-là, ce traité-là sur la terre africaine. Ça s'est passé au Maroc. Et c'est symbolique. Cette terre du Maroc n'a jamais été une terre arabe ou je ne sais pas, des hommes à la couleur différente des noirs. Elle a été une terre noire. Oui, elle a été une terre noire. Mais au 7e siècle après Yeshua, quand ces Arabes-là sont arrivés, ils ont conquis cette partie-là, toute cette partie-là. Elle est blanchisée maintenant. Mais pendant ce temps, bon, blanchisée ou jaunisée ou bien rougisée, je ne sais pas comment le dire, mais néanmoins, elle n'est plus une terre noire. Maintenant, ils repartent sur cette terre-là. Donc, pour te dire ce qu'on avait fait ici, quand on avait gagné cette terre-là, auparavant, c'était avec la force. Maintenant, eux-mêmes, en approuvant ces accords-là, viendront se donner dans les nations. Eux-mêmes. Le texte est diabolique. En entendant, en écoutant, en le lisant, il est flattant. Vous allez dire, oh, les hommes augmentent en sentimentalisme, en humanisme. Le monde est un village de bonne foi qui ouvre les mains à ceux qui sont vraiment démunis. Mais les Noirs, les Africains ne sont pas démunis. Ce texte nous dit qu'il faudra ouvrir la porte aux immigrants. Quand ils arrivent, qu'on ne leur fasse pas du mal, qu'on leur donne le lait, le chocolat, les bonbons, qu'on les couvre de couverture, qu'ils soient au chaud. Et quand ils vont dire, oh, écoutez, moi j'ai laissé 10 membres de famille, moi j'ai laissé 25 membres de famille, moi j'ai laissé 50 membres de famille, on dit, oh non, ne vous en faites pas, donnez leur nom, vous donnez les noms. Ok.
Ils sont où? Non, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont... Ok, nous, on les contacte pour vous. On les ramène, ne vous en faites pas. Donc, ils vont déraciner les sources. Toute la famille rentre en Occident. Et ainsi de suite. Et au final, il n'y aura plus personne en Afrique. Surtout que tout le monde croit que l'Occident est le paradis. Mais tous ces Africains-là vont se retrouver bientôt en aventure. Parce que le texte va rentrer en vigueur bientôt là. Et c'est immédiat. C'est immédiat. C'est un texte diabolique. Pendant ce temps, tout le monde dort. Tout le monde dort. Personne n'en parle. Vos prédicateurs sont dans le sommeil. Vos soi-disant prédicateurs, les prêtres, les guides, je ne sais pas quoi, les pasteurs et autres, sont tous dans le sommeil. Ils sont en train juste de balbutier. Oh non, Jésus-Christ a dit. Oh non, Dieu a dit. Oh non. Ce sont des dormeurs, alors que la terre est en train de partir. Nous, Béni de Mfumu Congo, nous avions dit acheter la terre en Afrique. C'est si symbolique. Mais là, nous sommes en train de perdre ce que le Père nous a donné pour la énième fois, malgré les sons de cloche que nous, Béni de Mfumu Congo, nous sommes en train de sonner. D'accord, nous allons faire la marche dans Paris. Ça va nous apporter quoi? Vous ignorez la quatrième bête, je pense bien. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas devant qui vous êtes debout. Cette bête-là a tous les moyens. Il y a longtemps que vous commencez à crier, hein. Et il y a longtemps que nous de même, nous crions, vous appelons, repentez-vous. Vous ne nous écoutez pas, vous ne nous entendez pas. Mais regardez comment on va vous détruire bientôt là. Mais en ce temps, quand vous allez appeler Mfumu Congo, ça sera trop tard. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Pendant ce temps, le continent est en train de partir, comme l'on dit chez nous, n'a pété. N'a pété, calmement, easily. Vous-même, les Africains, vous allez donner votre terre, vous-même. Parce qu'on va vous forcer à l'exode virtuel. Oui. Seriez embrouillés, vous allez vous dire, je dois aller en Occident. Déjà, nous sommes apatrides. Et pour nous, nous sommes apatrides partiels, je peux dire. Nous sommes apatrides partiels parce que nous avons en notre mémoire une terre d'origine. Nous avons des villages d'où nous venons. Et cela nous rend forts et équilibrés. Oui. Mais eux, ce qu'ils ont dans leur tête là, quand ils vont passer à exécution ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils n'ont pas dévoilé au moment de la signature de ce texte-là. Parce qu'ils se sont concertés, hein. Ils se sont dit, ne vous en faites pas de ce que nos populations d'origine, notamment les populations occidentales, vont se révolter, vont manifester racisme, bourdonnement, xénophobie, je ne sais pas quoi et quoi, vont essayer de repousser l'immigration. Nous tenons bon, parce qu'au final, nous aurions la terre africaine, définitivement. Au final, nous aurions cette terre-là. Et quand nous aurions cette terre-là, nous allons régaler. Eux, ils sont moralement préparés, matériellement, militairement préparés, économiquement préparés pour cette cause-là. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, en ce temps-là, on deviendra des apatrides totales. On sera plus partiel, on sera total, parce qu'on n'aura plus la terre et on n'aura plus d'histoire. Pourquoi? Ils vont éteindre l'Internet.
totalement dilette, en fait, annuler, effacer tout ce qui est dans les moteurs de recherche, peut-être mettre les fonds. Les livres d'histoire seront brûlés, ne vous en faites pas. L'histoire n'aura plus son sens. Vous n'allez plus vous en rendre compte qu'il y avait l'esclavagisme auparavant, que les Noirs sont venus d'Afrique, tout. Ils vont tout effacer. Ils vont vous dire que les Noirs sont venus de l'Occident. Ne vous en faites pas. Tout est préparé de telle sorte que les générations futures qui viendront, que ces générations-là soient totalement apatrides. Et quand ils voudront aller en Afrique, ils auront exigence de visa. Non seulement on va leur exiger le visa, mais également ils seront surveillés de près, parce qu'ils seront sur une terre étrangère. Maintenant que nous avons nos terres, à nous, nos propres terres, nous n'arrivons pas à nous lever. Nous sommes à genoux, peut-être assis, peut-être couchés. C'est en ce temps que nous serons confinés en Occident que nous allons nous lever. Vraiment, vous êtes sûr? Ah, peuple qui dort, recherchez Mfumu Congo. Dites à vos pasteurs, à vos prêtres, à vos imams, à vos guides spirituels, dites-leur de fermer leur bouche. Dites-leur de fermer leur bouche. Le long de la Bible, les nations se lèvent contre la terre Congo. Contre le peuple Congo, le long de la Bible. Le long de la Bible, les nations expriment leur mauvaise volonté de détruire le peuple du Créateur vivant. Ça se démontre. Ils montrent leur mauvaise foi. Des nations à la quatrième bête, c'est tout ce que la Bible démontre. Mais nous, nous connaissons la vérité. Nous, nous sommes debout. Oui, que nous soyons un petit nombre ou pas, nous sommes debout. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Nous allons voir par où ces nations-là vont ravir cette terre-là. Nous allons le voir. Ngueta. Ah, père. Nous sommes en train de nous mettre nous-mêmes la chaîne au cou. En nous remplissant d'abord de ce qui n'est pas digne. C'est sidérant. Je manque des mots là-dessus. Je ne sais pas à quel point ces nations-là, ces hommes-là sont diaboliques et très rusés. Ils arrivent à prendre tous dans le sac sans réflexion aucune. Les Africains partent. Tous les pays africains ont signé. Tous sont d'accord. Et ça plaît aux Africains. Ils sont contents. Là, ils sont en train de se préparer à aller en aventure. Ignorant que la terre leur sera ravie. Nous avions parlé de la carte à 1 milliard ou la carte à je ne sais pas combien de milliards. Nous avions parlé de tous les plans que ces hommes-là ont pour avoir de la matière première. Mais plutôt pour ravir cette terre-là. Mais je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions compris. Nous connaissons ce qui se passe. Nous, nous allons nous lever, nous allons rentrer. Même si tous les Noirs sont sortis, nous allons rester là-bas parce que nous, le Père, nous a dit, achetez la terre.
et nous avions acheté la terre, nous allons nous implanter. Et nous verrons comment cette terre-là s'en ira dans les mains des nations. C'est une impossibilité parce que la fin arrivera. Parce que la destruction sera là. Parce que l'armée des cieux va descendre. Nous la ferons descendre. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que nous étions les enfants du Père. C'est de l'amusement, ça. C'est l'amusement. C'est pourquoi nous vous disons, arrêtez de vous badigeonner, de vous décaper la peau. Arrêtez de vous gouffrer dans des plaisirs bêtes du monde, disant, sapologie, anniversaire, fête, mariage, comme quoi porter des habits étrangers. Arrêtez de copier les nations. Nous ne sommes pas des nations. Sortez du milieu d'eux. C'est ce que l'on nous dit des cieux. On crie. Mais faisons un effort. Adaptons-nous de sortir du milieu d'eux. Comment allons-nous sortir? Qu'est-ce qu'on doit abandonner? Ça, c'est le sujet qu'on allait normalement traiter et faire les efforts de s'adapter au nouveau rythme dont on nous demande depuis les cieux. Mais toutes les fois que nous allons essayer d'être l'image des nations, nous allons plomber. Nous allons plomber. Parce que ça ne sera qu'à leur avantage. Je vous ai toujours dit, sur tous les plans, nous n'avons même pas une chance de sortie, de relever ne fût-ce que le doigt, ne fût-ce que la tête. On n'a pas une... Non, nous sommes finis, nous les Noirs, nous les Africains. Nous sommes finis. Mais l'unique personne qui peut nous assister, qui peut nous sortir de ce trou, ce n'est que Mfumu Kongo. Nous nous associons à lui, il nous sort. Ne nous associons pas à lui, nous serions détruits. C'est tout. Et le pacte de Marrakech vient l'approuver maintenant là. Donc on a dit aux Noirs, signez sur la terre que vous aviez perdue. Vous vous souvenez de cette terre-là? C'était votre terre, non? Maintenant, elle n'est plus vôtre. Maintenant que vous êtes en train de signer là, vos terres-là seront comme cette terre-là. Bientôt. Oui, bientôt. Et les Noirs sont en train de signer bêtement là. Ils signent. Bêtement. Avec garantie quoi? Vos enfants ne vont plus mourir dans la Méditerranée. On a trouvé la solution. Vos enfants ne vont plus parcourir des kilomètres de désert ou de forêt, je ne sais pas comment, pour atteindre le bout du monde. Maintenant, ils peuvent le faire calmement. Et après, nous réaliserons des regroupements familiales gratuitement pour que vous deveniez des Occidentaux, bien sûr, de nationalité. Pourquoi pas de peau, de race. Et merci pour nous libérer votre terre. Voilà. Gratuitement. Et c'est bien, et c'est cela. Non, c'est vraiment de l'enfumage, quoi. C'est idiot, ça. Restez bénis. Ngeta. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent, ceux que l'on détruit. Ceux qui exploitent, ceux que l'on exploite. Ceux qui trompent, ceux que l'on trompe. Ceux qui guident,
leader, ce que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide, c'est garant, ha, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin d'où la barbarie se vit comme un jungle. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin. Partent en vrille, quel pétrin. Des aveugles se font guider par des pornes. Au final, tombent tous dans un trou, cruelle fin. N'agissant pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois. Le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui obéissent qu'aux étrangers et leurs lois la pratiquent, la suivent à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de leurs ancêtres, ignorants en traître. Ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots se croient trop intelligents. Non, ignorant qu'à se détruire, faut te détruire. C'est aberrant de dire que nos choix, d'aucune joie, orphelins sans soutien, cruel destin des êtres vivant dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin, doté de qu'une joie, d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres.